coupe sur le côté, genre sous l'aisselle. Et accroche-toi, le mec, il te l'ouvre en deux. Comme une pita. Oh, arrête! Non, sérieux! Pas de problème. Ouais. Ils foutent la gelée dedans, genre, tu sais, comme le truc des selles de vélo. Ils fourrent ça, on dirait un vieux kebab, c'est dégueulasse. Et maintenant, madame est toute fière de ses gros nichons qu'elle exhibe avec les décolletés plongeants. Et moi, et bah, tout ce que je vois, et bah, c'est des pita pleines de sauce. Attends, t'as emmené sa sœur au resto? Ouais, elle est pas aussi bonne, mais elle a un petit cul. Elle s'est assise à côté de moi et tranquille. Bon, regarde, la bille est là. Oula. Tu déconnes? Forcément, j'avais une trique d'enfer. Elle a glissé une main dans mon froc et je peux te dire qu'elle connaissait la musique. Ça fait boum dans ma tête, mais impossible de me retenir. C'est comme... Bon, je suis nul pour ça, alors je vais y aller franchement. C'est comme un chargeur de téléphone solaire. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, quand je suis avec toi, quand tu me touches, bah, ça fait pareil. Mais en mieux. Donc, je suis un chargeur? Oui! Non! Enfin... Et je suis comme ton chat. Un animal, quoi. Dis-moi ça, pas tout seul. Gros mytho, je te crois pas. Si, je t'assure. Tu sais, quand t'es entouré de connards, le mieux, c'est de faire comme si t'en étais un. Pour évacuer le stress, c'est top. Et tu fais quoi d'autre? Je déplace les produits dans les rayons, je pisse sur les sièges des toilettes publiques, je me mets à gauche des escaliers roulants, je rentre dans les ascenseurs, tout ça. Putain, tu vas te faire casser la gueule un jour, toi. Tu parles, si seulement. C'est ça le pire, personne ne me dit jamais rien. Les gens se contentent de subir. Il y en a 30 000. Excusez-moi. La convention dure toute la semaine, alors. Je me demande pourquoi je me suis mal. Tu vas halluciner. C'est sa femme. Je te jure que c'est vrai. Je l'ai entendu. Texto, il a dit si vous la voulez. Allez-y, elle suce super bien. Le truc, c'est qu'il savait pas que j'écoutais. On va se débarrasser de ce connard une bonne fois pour toutes. Sacré bordel. Comme tu veux. Ouais, il m'a arrêté sur le côté pour me dire que j'allais trop vite. Et alors, t'as dit quoi? J'ai été honnête. Je lui ai dit, monsieur l'agent, je suis en excès de vitesse, mais j'ai envie de pisser. Alors il est hors de question que je nique mon intérieur cuir. Carrément! Alors déjà, j'ai pas eu de PV, et en plus, ils m'ont escorté jusqu'aux chiottes. Arrête tes conneries! Oh putain, c'est bon ça! Oh, je vais essayer ton truc la prochaine fois. Quoi de neuf? Attends, t'as dit quoi là? Du sperme? Du sperme? Bah, d'après le plombier, oui. Apparemment, ça se colle dans les canalisations. En gros, les tuyaux, c'est pas fait pour évacuer du sperme. Oh, mais c'est vraiment... Oh. Ouais, c'est dégueu, c'est clair. Je suis contente de pas être plombier. D'ailleurs, la prochaine fois que je me plains de mon boulot, s'il te plaît, rappelle-moi cette histoire de tuyaux plein de sperme. Tu sais, j'ai rendez-vous dans un nouveau salon à Norsley. Tu devais m'appeler. Écoute, c'est déjà assez pénible comme ça, non? Alors arrête de m'appeler. Je pensais... Me téléphone pas. Me laisse pas de message et m'appelle pas au boulot. Mais tu... Oui, mais c'est fini. On dirait que c'est la première fois que tu te fais larguer. On est juste sortis ensemble un moment. Écoute, arrête les messages. Si tu continues de m'appeler, je t'y prends, chien. Non, ils en avaient plus. Alors j'en ai pris une douzaine au chocolat. Quoi? Ils avaient plus de beignets à la confiture. T'as pris au chocolat? Mais putain, ça a rien à voir! Ah, ils sont fourrés à quelque chose. Espèce de sale connard! Enfoiré de ta putain de pute de merde! Si jamais...
jamais tu reviens ici avec tes putains de beignets au putain de chocolat de merde. Je t'arrache les yeux et j'occupe ton putain de crâne. Non mais attends, pour qui tu te prends? J'en ai marre que tu me parles comme à une merde. J'arrive et c'est moi qui te casse la gueule. Bon d'accord. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Il y a quelqu'un qui tire avec un flingue. Maniez-vous! Allô? Lâche ton téléphone. Je crois que j'ai perdu l'appel. Oh non!